Bonjour et bienvenue sur la chaîne, la Hasbeam H10, la nouvelle version. Alors je vous ai déjà fait une revue sur le premier, la première version. Il y a vraiment 2-3 petites choses qui ne me plaisaient pas du tout. Donc on a refait pas mal de choses, on a reprogrammé la lampe, on a changé le LED, on a réduit ici la taille du tube. Alors il y a eu pas mal de petits changements, donc on va faire le tour ensemble. Donc la lampe en elle-même, elle a pas tellement changé. Je vous fais quand même le tour pour ceux qui la connaissent pas. Ici l'interrupteur, ici la petite molette qui est vraiment le gros plus de cette lampe. Ici on voit le LED qui est énorme, donc un LED dont je vous parle tout de suite, un nouveau LED, le MTG2. Donc c'est un LED haute performance qui va nous permettre d'avoir vraiment une grosse autonomie. Donc je vous parlais aussi également de l'autonomie. Pour ça on a changé la taille du tube pour que ça puisse accepter. Avant ça n'acceptait que des 18650 IMR, donc c'était un accu un petit peu spécifique. Là tous les accus rentrent dedans, à savoir qu'il faut quand même un IMR pour développer la puissance maxi, les 2000 lumens. Je vous expliquais ça tout à l'heure avec le petit bouton. Alors je la compare évidemment avec l'Armitech qui pour moi reste toujours la référence parce que j'ai beaucoup de retours dessus, beaucoup de retours concernant surtout sa fiabilité. Là ce que je vous fais ici c'est une revue, donc c'est un nouveau produit, c'est pas une nouvelle marque hein. Hasbeam on la connaît depuis longtemps, c'est vraiment des produits de qualité, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci. Maintenant ce qu'on a changé également c'est forcément les autonomies et la programmation, parce que ce qui nous intéressait c'était de pouvoir passer 3 jours sur le terrain. 3 jours pourquoi? Parce que c'est utilisé beaucoup par les trailers, et ici la plus grosse course c'est le Grand Raid. Pour les meilleurs ils mettent évidemment une nuit à traverser l'île. Pour les gens normaux entre guillemets, ils passent 3 jours sur le terrain. Donc on voulait une lampe qui soit capable avec un seul accu de faire ça. Donc la reprogrammation c'est la suivante, on est passé à un mode 1 qui est à 50 lumens, ce qui suffit mais vraiment largement pour marcher. Moi j'ai une portée de plus de 20 mètres avec. Ce que je vous dis moi quand je parle de portée, c'est vraiment pouvoir voir une silhouette, reconnaître une silhouette humaine à telle distance. Donc pour moi 20-25 mètres avec le mode 50 lumens c'est tout à fait possible. Donc imaginez qu'on marche vraiment correctement avec ça, hein, sans souci, même en cours, il n'y a pas de problème. Et là, on a 36 heures d'autonomie, donc c'est vraiment énorme. Un deuxième level de 80 lumens pour 20 heures, un mode de 160 lumens pour 8 heures et un mode 4 de 700 lumens pour 1h30. Alors tout ça, c'est les chiffres que j'ai sur la petite notice. Sur le site j'ai 2 chiffres, donc il faudra que je vérifie vraiment ce que je vous dis au niveau de la programmation. En tout cas c'est ces 4 modes. Pourquoi 700 lumens? Parce que ça suffit largement, vous l'avez vu sur les photos, et ça consomme moins, ça chauffe moins, etc. Le gros avantage de cette lampe évidemment c'est cette petite molette qui va pouvoir nous faire changer les fonctions. Donc ici un commutateur à double étage, ça veut dire que quand j'appuie une demi fois dessus, hop, la lampe s'allume au bout de 0,5 secondes. Avant, il fallait 2 secondes. Ça m'énervait plus que tout. Donc là, voilà, j'ai juste à tourner la molette pour changer les modes et pouvoir passer au mode qui me convient le plus. Évidemment, mémorisation du dernier mode utilisé. Je rappuie encore sur le demi-étage et la lampe s'éteint. Si j'appuie complètement là, j'envoie les watts, j'envoie les 2000 lumens qui très honnêtement ne servent plus parce que c'est vraiment trop puissant. Ce qui est aussi intéressant à savoir c'est que c'est une lampe qui est vraiment très légère parce qu'on est à une lampe nue à 52 grammes, un accu ça fait 48 grammes, donc voilà c'est un ensemble à 100 grammes. Un petit peu plus avec le bandeau qui est livré avec, donc vous verrez sur l'autre revue où j'ai détaillé le bandeau. C'est une donnée qui est importante évidemment en course.
mais également si vous faites de la rando, etc. Parce que je vois notamment, j'ai discuté pas mal sur pas mal d'endroits, il y a des lampes qui sont extrêmement lourdes déjà. Enfin voilà, ça c'est vraiment, j'ai l'impression que ça pèse rien. Imaginez 100 grammes, c'est vraiment rien. Mais je vois des lampes qui font 300-400 grammes, c'est énorme, c'est vraiment trop, même si c'est pour un marcheur, simplement ça peut devenir vraiment, vraiment gênant. Donc l'avantage aussi de ce petit commutateur ici, enfin ici, cette petite partie qui tourne, eh ben ça va être simplement si imaginez je suis dans un environnement froid, j'ai les mains engourdies, j'ai des gants, etc. Avec ça, c'est très très simple de pouvoir changer les fonctions, comparé à certaines autres où j'ai un bouton où je dois appuyer relativement fortement. Le bouton ici, il n'est pas dérangeant. Il y a pas mal de gens qui me posent la question, justement, si on a ça sur la tête, le fait de pousser ici, est-ce que ça va pas bouger? Ben non, parce que ça va vraiment être serré sur le bandeau. Le bandeau, en plus, c'est un bandeau avec une partie ici, vous pouvez voir, en silicone. Donc le silicone a l'avantage vraiment de s'adapter à votre morphologie. Donc même si vous avez une tête carrée, ça va vraiment bien se passer. Et donc il va vraiment correctement tenir, même si on transpire, etc. C'est livré, je vous le montre vite également, avec des joints de rechange et un petit clip ceinture, puisque c'est le genre de lampe qu'on va pouvoir également utiliser comme lampe à main. Verre trempé ultra clair. Au niveau de la résistance, évidemment, c'est les normes classiques, hein, des chutes de plus d'un mètre, etc. Immersion, on est sur du XP6 standard, donc 1 mètre sous l'eau pendant 30 minutes. Donc voilà, il n'y a pas de souci si vous êtes dans un milieu type tunnel de lave, grotte, etc. Si vous courez dans la pluie, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Ces lampes ici, je trouve que La Réunion est vraiment un bon exemple et puis un bon endroit pour tester ce genre de produit pour plusieurs raisons. C'est qu'ici, il y a vraiment de grosses différences de température. On peut se retrouver très vite à être en t-shirt, à voir à plus de 300 mètres, et en quelques secondes, on se retrouve littéralement dans les nuages, à plus voir à quelques mètres. Donc ici, on a quand même un point chaud qu'on va pas forcément voir correctement sur les vidéos. On le voit un tout petit peu ici parce qu'il est extrêmement large. Voilà, donc on a toute cette lumière résiduelle, mais ici, plus on va s'éloigner, forcément, plus ça va être large. Donc ça va pas être gênant, on va pas être obnubilé par ce point central, puisqu'il est vraiment, très très large. L'autre avantage, évidemment, d'avoir une concentration de la lumière, c'est justement dans ce type d'environnement, brouillard, etc., on va avoir forcément une meilleure pénétration. Deux types de LED, le Neutral White en 4000K et le Cool White. Moi, j'ai toujours une préférence pour le chaud. Vous verrez sur les photos la différence. On voit vraiment mieux les milieux, surtout en milieu végétal, on va dire. On voit beaucoup mieux les reliefs. Moi, je distingue beaucoup mieux les reliefs, les matières, etc. Imaginez que vous courez sur un sentier avec du neutral, on va mieux voir si c'est des racines, si c'est des cailloux, si c'est de la terre, etc. Qu'avec une lumière blanche qui écrase un petit peu. Donc moi, j'ai une préférence pour le neutral. Voilà, il y en a qui préfèrent le blanc, etc. Ça, c'est vraiment une question de choix. J'espère que les photos vous aideront un petit peu à voir cette différence. La queue, il se retrouve simplement ici, il suffit de dévisser, hein, il n'y a pas de mystère. Tac, voilà. Et ici, la queue se retrouve là, on est toujours sur du 18 650. Donc, pas beaucoup de choses à dire en plus, noir mat. Moi, je trouve que c'est une lampe qui est assez jolie. Alors là, après, c'est vraiment un choix esthétique, hein, mais en tout cas, en performance, elle y est. Donc, je vais bientôt faire une revue comparative sur tous les modèles de lampes. Ça sera une revue qui sera un peu compliquée à faire, un peu longue, mais on va vraiment tester beaucoup de choses. Je vous parle vite encore simplement de ces dimensions, parce que je dois les avoir sous la main. Si je vous dis pas de bêtises, non. Eh ben non. Bon, écoutez, c'est pas grave, vous verrez tout ça sur le site, vraiment très en détail. Là, ce que je voulais vraiment vous présenter, c'était vite fait la lampe. Et en tout cas, vous montrer un petit peu les performances de ce genre d'objet. En tout cas, voilà, la version reprogrammée me plaît beaucoup plus que la première version, forcément. L'étalonnage est beaucoup plus pertinent à mon sens. Puisqu'il va suffire largement, et c'est surtout les autonomies qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Je vous dis, moi, en usage classique, ça veut dire randonnée, marche, être autour d'un camp, le premier mode 50 lumens qui dure 36 heures,
ça suffit vraiment amplement. En ce moment, moi, je suis beaucoup avec, la T360. Je suis à 2 lumens quasiment tout le temps pour faire un peu tout à droite à gauche. Ça me suffit largement. Donc là, 55 lumens, c'est du bonheur. Voilà, je vous dis à très très bientôt. C'était Chris Air Jones. Bye bye.